Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici au stade de la Beaujoire pour les 32e de finale de Coupe de France de football entre le FC Nantes et le Racing Club de Lens. On se retrouve à quelques minutes hein, du début de, de cette rencontre avec, vous le voyez derrière moi, eh l'échauffement des Lançois et également celui, celui des Nantes. Alors ce qui agite un petit peu eh bien, tout, euh, tout le monde du football ici notamment, eh c'est euh, le fait que Raymond Domenech ne soit pas là aujourd'hui. Alors on va rappeler un petit peu les fêtes. Hein. Il, a, il a été testé positif lundi euh, au Covid-19. Puis négatif hier lors du euh, dernier test. Il est donc à l'isolement pendant euh, 7 jours. Mais euh, il se murmure que l'isolement pourrait être plus long que ça, puisque euh, sur les réseaux sociaux, le gros buzz en ce moment, c'est que Raymond Demec soit tout simplement euh, viré du FC Nantes euh, dans, les, dans les jours qui viennent. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé euh, certains sur euh, les réseaux sociaux. On n'a pas eu de confirmation, évidemment, de la direction du, du FC Nantes pour le moment. On vous tiendra informé de ce qui va se passer dans les coulisses euh, du FC Nantes, puisqu'on vous le rappelle, hein, Christian Gourcuff était l'entraîneur en début de saison. Il a été remplacé. Euh, pendant quelques matchs par euh, Patrick Collot avant l'arrivée de Raymond Domenech, il y a euh, tout juste quelques, quelques semaines. 7 matchs euh, sous la direction de Raymond Domenech, quatre matchs nuls, 3 défaites, aucune victoire encore un hein, pour euh, l'ancien sélectionneur euh, des Bleus sous le maillot est-ce Qu'il aura le temps d'en espérer une ici, eh c'est toute la, la problématique. Alors nous, on va se concentrer en tout cas aujourd'hui eh sur ce qui va se passer sur le terrain, puisque vous le savez, Nantes n'a plus gagné depuis 15 matchs consécutifs en championnat. Autant vous dire que cette Coupe de France, elle arrive un petit peu eh bien, euh, comme un bonheur pour. Euh, tous ces joueurs nantais qui vont peut-être espérer respirer un petit peu en se qualifiant pour les 16e de finale de la Coupe de France. Il y aura du turnover, d'abord c'est Patrick Collot qui va remplacer donc Raymond Domenech sur le banc nantais et il y aura évidemment des, des changements dans l'effectif. On vient d'avoir la feuille de match, on va pouvoir évidemment vous, vous en parler pour vous dire tout simplement qu'en défense centrale eh bien on va retrouver Thomas Basila, le jeune du centre de formation qui avait eu sa chance il y a quelques mois, qu'on retrouve en tant que titulaire en Coupe de France, il sera associé à Nicolas Palois de retour de deux matchs de suspension et puis dans les buts euh, évidemment euh, jusqu'à présent c'est euh, Lafont hein, qui gardait le, le but de et eh bien là ce sera Denis Petric euh, le gardien numéro 2 qui aura sa chance lui qui est très apprécié du, euh, du vestiaire et qui sera donc titulaire ce soir sur les côtés euh, Denis Sapia et euh, Sébastien Corcia et puis on va retrouver euh, dans l'axe euh, du milieu de terrain et eh bien euh, tout simplement à la fois euh, Touré, euh, Abdoulaye Touré, euh, euh, le, le gars de, de Malakoff, euh, ici à côté de, à, de, à côté de Nantes, et qui sera associé à Thierry euh, l'Espagnol, qui jouait à Liverpool euh, l'an passé. Sur euh, les côtés, on va retrouver euh, eh bien, le retour Kader Bamba, avec euh, sur le côté droit euh, eh bien, un autre joueur en l'occurrence. Il s'agira de Blas, qui sera sur un côté, et devant deux joueurs associés, Colomani, l'habituel titulaire, associé à Bridgen Dilu. Ça fera plaisir aux anciens euh, de Laval, hein, notamment, puisqu'il est originaire euh, de là-bas, il a joué en jeune du côté du Stade Lavalois avant d'arriver ici au FC Nantes. Voilà, du côté du Racing Club de Lens. C'est une trajectoire totalement opposée à celle du FC Nantes. Les Lançois sont sixième du championnat. Ils sont sur une superbe dynamique. Ils réalisent vraiment une saison incroyable pour, pour un premier, Ils reviennent en Ligue 1 cette saison. Et honnêtement, eh bien, ils nous régalent en termes de, de jeu, les Lançois. Et ce soir, et eh bien cet après-midi, pardon, il y aura également du, du changement du côté des Nordistes, puisque Franck Hez, l'entraîneur du Racing Club de Lens, eh bien, a décidé de faire tourner un petit peu son effectif en, en Coupe de France. Il y aura également deux suspendus du côté Lançois. Donc on va voir beaucoup, beaucoup de nouveaux mondes. Et ça va être très sympa. Certainement. Alors, deux petites choses. La météo est quand même euh, particulièrement froide aujourd'hui. Hein. Il fait euh, un ou deux degrés ici au stade de la Beaujoire avec du vent. Ça va certainement aussi conditionner un petit peu les, euh, les joueurs sur, euh, sur le terrain. Un terrain, euh, vous allez peut-être le voir avec, euh, avec Jean-Marc Léhi qui va peut-être pouvoir nous le montrer. Euh, un terrain qui n'est qui pas terrible hein, parce qu'il y a non pas un champignon, mais c'est un, un minéral en fait qui, euh, qui développe euh, une herbe un peu particulière, un peu, un peu vert. Euh, vers euh, fluo. Et c'est vrai que bah, c'est de l'herbe qui se développe sur la pelouse. Et euh, il faudra attendre la fin de la saison pour retrouver eh bien, une pelouse digne de ce nom ici au stade euh, de la Beaujoire. Début du match, 14h45. Vous pourrez évidemment nous suivre puisqu'on va, va vous faire vivre le match en direct hein, sur, euh, sur France 3 avec euh, Benoît Durand et Stéphane Guivarch. On aura l'occasion eh de parler avec les Nantais notamment, avec les Lançois également pendant la rencontre euh, et de voir un petit peu l'évolution euh, de ce match voilà entre Nantes et Lens pour ces 32e de finale de Coupe de France. Ici à la Beaujoire, à huis clos, vous le savez euh, bien évidemment, il n'y a que les bénévoles, les secouristes et euh, les dirigeants ainsi que le staff de, de chaque équipe présent sur le bord du terrain. On le saura dans quelques heures eh bien, si Nantes va essayer d'inverser la tendance et surtout euh, réussir à obtenir une victoire enfin après ces semaines de disette. Voilà, j'espère que, eh bien, on vous a tout dit, on n'a rien oublié pour ce 32e de finale de Coupe de France. Et on vous dit à tout à l'heure, 14h45, début de la rencontre entre Nantes et Lens, 32e de finale de Coupe de France sur France 3.